En septembre, nous étions déjà invités, nous, en septembre, nous n'avons pas allé en septembre. Donc, l'accord du 11 septembre. L'accord du 11 septembre. Vous avez été invité. Premier ministre Ariel Henry, relève personnellement à téléphone, dit Clarence, un parti sérieux comme Union doit signer l'accord. Mm-hmm. Dit quel accord? Mm-hmm. Mais pas participer dans la rédaction à l'accord, pas qu'à signer l'accord. C'est pas ça pour moi. Oui, vous appelez comme ça pour venir signer? Pour venir signer. Probablement, toute signature veut dire que si je signe, je ne vais pas jouer. Même si c'est comme ça, peut-être que Malouéli, même qu'on est tendance haïtienne traditionnelle là, on est signé avec vous, c'est que l'esprit du gouvernement avant tout. Pour ballon bagage, le secrétaire d'État, pour ballon directeur général, pour ballon ministère, etc. Moi, ça va intéresser nous, on a dit non. Il faut nous rédiger encore là, parce qu'on a des idées. On devait réfléchir sur lui là. Réfléchir sur lui pour nous avoir des idées, nous faire passer là-dedans. À ce moment-là, on a signé. Et c'est la même chose avec Montana. Montana n'était pas encore né Montana ou baptisé Montana. Je t'ai invité à venir dans des discussions. Nous t'ai, ça, c'était ce Jovenel, nous t'ai dit, nous pour le dialogue, mais aussi avec Jovenel. Mm-hmm. Ah ben, les arguments qui disent non, avec Jovenel, nous parlons de dialogue avec Jovenel. Non, mais nous parlons de solution à la crise là. Mm-hmm. Et dialogue pas avec Jovenel, Jovenel pas là, pas avec la passion là, mm-hmm. solution là. Donc, à partir de ce moment, nous avons pris une distance avec une série d'accords qui ont été approchés, nous n'avons pas besoin de citer l'autre pour nous signer. Nous, depuis le 4 septembre, Union dit nous avons besoin d'un accord inclusif pour nous sortir côté. Qu'est-ce que ça veut dire, accord inclusif, puisque tout on a parlé de ça, ça veut dire. Ça, c'est ça, américain, mais déjà. Enfin, pas américain, non. Ça, la chose, mais déjà, c'est ça, le accord inclusif. Oui. Mm-hmm. C'est-à-dire, oui, veut un accord qui veut rédiger et qui inclut l'autre force politique qui est souterraine et tout. Pour créer un équilibre gouvernemental pour aller à l'élection. Parce que l'objectif, c'est aller aux élections. Mm-hmm. Un gouvernement de transition par nature, il va durer. C'est 60 jours, 90 jours selon la Constitution. Mm-hmm. 120 jours, pardon. 120 jours. Selon la Constitution. Et c'est une dérogation, on va dire, à principe démocratique et tout. Parce que la Constitution, il y a une provision pour ce président incapable pour tout de suite, le lendemain ou le jour même, il remplace. Mm-hmm. Et si mon qui est placé là est capable de provision toujours les constitutionnels qui disent qu'est-ce qu'on place lui. C'est ça où est la stabilité. Et si Haïti choisit la voie de la stabilité, le pays a progressé. Mm-hmm. Donc tout autant que nous voulons être dans des ordres d'instabilité parce que nous voulons ces monde qui sont au pouvoir, parce que nous voulons bicéphale ou monocéphale, nous pouvons la donner. Mm-hmm. Maintenant venons-en sur le bicéphalisme ou le monocéphale. Non, on est inclusif là. Un accord inclusif. Un accord inclusif pour moi-même. Mm-hmm. En nous-mêmes comme ça. C'est 10 Montana, 10 11 septembre, 10 peine. Dit l'autre là, on nous chite ensemble. Mm-hmm. On nous mettait en commun ça qui force dans l'accord là. Mm-hmm. Ça a besoin. Mm-hmm. Nous avons besoin de mettre sécurité dans le pays. Là. Nous avons besoin d'un apaisement social. Garder la population qui s'allie, préparer les conditions. Pour le conseil électoral. Révision constitutionnelle. Éventuellement, une révision constitutionnelle pour aller à l'élection. Pour nous mettre pays. Nous mettons à la scène. Apparemment légitime. C'est apparemment simple. C'est tout ça pour nous donner. C'est tout ça pour nous donner. Cependant, nous n'avons bataille. C'est ça qui fait compliqué comme ça. Parce que nous avons bataille de groupe. Chaque monde veut ses ligues pour diriger. Et je crois que, je vais le dire ouvertement là, Montana a commis une erreur. Parce que Montana te paraît comme société civile. Mm-hmm. Le société civile, pas mandé pouvoir. Société civile baille. Sauf force de pression. De pression que lui. Il est là pour baille direction politique pour dire mais côté pour avec société. Mm-hmm. Excusez. Mais lorsque Montana a élu son président et son vice-président, il vient une force politique qui connaît qui en face de notre force politique en septembre. Donc, on a laissé ça. Parole libre, ils sont parole partisans. Partisans. Donc à partir de ce moment, où il y a une qui a goumé avec l'autre. Donc c'est deux pôles politiques qui ont goumé pour la prise de pouvoir. Mais s'il était exigence que la météo, pour le dire, nous besoin de transition de rupture. Mm-hmm. Nous besoin d'autres monde qui peuvent appeler notre transition ça. Nous besoin mettre en place des institutions qui déjà failli. Faites pression sur politique, yo, pour ça dériver fait. Malheureusement, il vient politiser tête li. Et moi, écoutez, Fridjan, je le connais, c'est un ami, mm-hmm. je veux dire Fridjan. Mais il te dit, ça Fridjan, c'est là, il n'a pas réussi à comme ça. Mm-hmm. Peut-être qu'il a réussi, oui, demain matin, il y a un président. On ne sait jamais. Mais moi-même, moi, parce que. La démarche. La démarche n'était pas la bonne. Comprends Louisiane qui t'a fait, c'était un autre. Bah, droit. Mais Fridjan, encore président. Et puis, etc. Non, le problème est à résoudre ici dans un vrai dialogue que nous devons faire entre nous-mêmes. Donc, Montana, excusez-moi, Montana te doit être, en tout cas, aux forces de la société civile pour forcer acteurs, chita, une solution. Absolument. Que nous devons donner pratiquement un groupe politique. C'est ça le venir, puisque le président, le premier ministre, il vient un groupe politique. Il n'a pas long langage politique, il a besoin de retirer une pour mettre l'autre. Et moi, Montana, c'est un faux problème pour moi, le bicéphalisme, ou bien le démon qui prend les triumvirats. Il y a un multicéphaliste ou marronné, il y a un monocéphale, s'il vous plaît. Mm-hmm. C'est un problème mineur, s'il vous plaît. Parce que le problème n'a toujours été le même.
ça nous gagne comme problème. C'est pas parce qu'on va nommer président de la République, je dis à la qu'on va pas bien sécurité encore dans le pays. C'est pas vrai. Ce qui était premier ministre pour continuer, c'est pas parce qu'on fait pas bien sécurité tout, non. Donc, on a passé à côté problème, yo, et nous refusons d'entrer dans un vrai problème. Non? Vrai problème, non, c'est créer un gouvernement équilibré. Côté, yon, on a veillé l'autre, m'a veillé, ou a veillé, ou pas venir là pour venir prendre l'argent l'État pour faire élection pour vous, ou pas venir là pour prendre tout moi-même, etc. Équilibre ça pour permettre que nous allons élection équitable, juste, inclusive, pour que tout. Avec la même chance pour tous. Avec la même chance pour tous. Et bien ça, nous repartons pays avec des nouveaux élus. C'est quand nous repartons à zéro. Maintenant, le repas à zéro, on va dire l'autre jour, parce que moi-même, moi, pour un repas à zéro, on a dit effaçons le tableau. On a pu vous dire ça après. Même bien, l'illustration a fait et montrer que nous-mêmes, dans un lien, quel bicéphale, quel monocéphale, on dit même bêta du pinceau, quel multicéphale. Donc pour nous, ça, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Est-ce que vous n'avez pas une position sur ça? Ma position est la suivante maintenant. Laissons Ariel Henry à la place qu'il est. Bali cahier de charge. Bal ça pour le faire. Ça c'est votre la position de l'Union. C'est ma position. On dit le bon ça parce que là l'Union a signé un papier qui dit ça. Mais même l'analyse que l'on fait, Ariel est déjà là. Parce que ou pral tomber dans le même problème de stabilité encore. Si on retire Ariel qu'on y a là, Ariel va faire rien, non? Qu'est-ce qu'on va mettre? Mais qu'est-ce qu'on va mettre le tout? Qu'est-ce? Ça c'est une. Et mon gars le tia, on va jouer un paquet de contestation contre lui-même toujours. Qui pral étirer tant de transition toujours. On est prêt à entrer dans cette nouvelle longue liste de prises éphémères. Éphémères. Donc si ça remplit, ça me blesse. Donc pourquoi entrer là-dedans? Ça, on dit là, il y a une histoire nous. Il y a une histoire nous entre 1956 et 1957. Où bon, kyriel de gouvernement éphémère qui passait sous pouvoir, il fait 15 jours, il fait 22 jours, il fait un mois, jusqu'à Fignolet, qui fait 12 jours, parce que j'ai combien de jours il fait sous pouvoir. Il n'y a pas besoin d'arriver là-dedans. On nous dit, Ariel, c'est. Le mal qui est là, mais composons avec ce mal, ce mal nous tenait là, nous allons dire, mais ça me besoin fait. Pour nous sortir. Pour nous sortir. Un agenda. Et c'est ce que j'ai demandé à chaque fois que je parlais, monsieur le Premier ministre. Quel agenda ou? Qui est sorti pour toi? Qui est ta propre franchi? Quel calendrier sont qu'on fait? C'est ça nous besoin Ariel fait là pour nous sortir côté nous y a là. Organiser l'élection. C'est les conditions pour organiser l'élection. Est-ce que vous voulez dire que Ariel Henry. Et a besoin d'un autre accord politique et qui est capable de balayer, qui est capable de dire une feuille de route, qui dit mais ça le fera le faire. Une légitimité. Une légitimité, oui, oui. Il n'est pas capable de faire feuille de route là pour contre lui. Donc c'est. Là, je vous dis à là, Ariel ne peut pas, avec son 11 septembre, faire une feuille de route seul. Non mais l'accord du 11 septembre, il est non, l'accord, avec, voilà. C'est pas faut d'accord. Il faut qu'on ait l'accord. Et c'est ça, mais c'est ça, qui va le bail, c'est la feuille de route. Oui. Une feuille de route, ça, c'est soit palais, c'est une question élection, CEP, révision constitutionnelle, date élection. Et ça, c'est, mettre pays avant, c'est exactement ce que Ariel aurait dû faire dès le début. Trois mois, ou bien deux mois après le film monté sous pouvoir comme Premier ministre, il était réuni toute force politique, il dit, monsieur, qui ça m'a fait? Mais il dit que, par exemple, comme Premier ministre, mon cap supporter l'idée, il faut qu'on président, il dit que, bon, ensemble de décisions, comme chef de gouvernement, que Ariel ne veut pas prendre, par exemple, il n'est pas capable de nommer délégué, il n'est pas capable. C'est pour ça que l'accord est nécessaire, Assad. Après, l'accord a la légitimité quelque part. Un accord capable d'aller la légitimité pour les citoyens. Probablement, c'est que je suis d'accord avec lui, moi-même, comme parti politique. Mais tout le monde d'accord. Tout le monde est d'accord, et bien ça, oui, il a fait. Il n'a pas fait un petit ami par le mettre. Parce que n'importe quel monde ne l'a sauvé contestation. Mais c'est un accord politique qui joue avec l'ensemble des forces politiques, ou bien la majorité des forces politiques, oui, le ça, changement ça est possible si tout le monde est qu'il a fait dans le bon sens pour les intérêts du pays, pas pour les intérêts d'un groupe. Et ça, c'est pas Ariel Henry qui a appliqué le programme qui est dans la tête libre. Non. C'est une feuille de route. C'est une feuille de route. Qui a été par l'accord. Monsieur Pral, directeur exécutif, ça, il est dans l'administration privée. Ils sont CEO. C'est un bel schéma, en tout cas, c'est là. Mais certainement, c'est un CEO. CEO, il n'y a pas rien. Il dit, mais ça vous fait. Ou pas chef d'entreprise là. Mais il y a une feuille de route là. Il dit, mais ça nous besoin de moi comme résultat. C'est ça Ariel vient de faire là. Comme Premier ministre. D'ailleurs, un Premier ministre, c'est ça son rôle dans cette constitution. Ce n'est pas un élu. C'est un CEO qui a dit, monsieur, son administrateur qui a géré le bagage bien, qui a parlé avec tout le monde pour le gérer le bien, pour créer équilibre dans le Parlement, pour ne pas quitter le bagage écrasé sous deux présidents. Pour le président Rété, il n'est pas capable de soupape de sécurité, ça ne va jamais avoir de problème côté là pour le faire mandat là. C'est ça l'intérêt du Premier ministre.
premier ministre pour le gérer. Dans la science, ça que le donner, science administrative, ça pour le gérer le monde, pour gérer les susceptibilités, pour gérer ceci, cela, pour le mener bac là à bon port, pour que les délivrer sa présidente besoin et pour payer avec dans le dans le cas de Ariel, par exemple, si on parle là, qu'est-ce qu'il y a pour l'initiative ça? Est-ce qu'on a l'initiative là prend déjà pour aller vers l'accord autour de Ariel, avec Ariel, pour aller vers son appel? Est-ce que qu'est-ce qu'il y a pour l'initiative là? Parce que là, là, le premier ministre a déjà formé une commission. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si ça me regarde là, démarche là, là, oui. Mais il a choisi. Est-ce qu'il y a assez de légitimité et de crédibilité pour mener le dialogue comme ça? Ça me regarde là, c'est que en communication, on dit ça. Il y a la parole et le porteur de parole. Parce que tout le monde a pris de parole là pour vous. Le message et le message. Le message et le message. Donc, quand on nous parle de message là pour vous, non, il dit pas possible. C'est mal passé. Mal passé. Parce que le monde ça pas capoté encore. Il est décrédibilisé tête, il est déjà là-dedans. Donc, selon. Vous pensez que la commission n'est pas assez crédible? Non, la commission n'a pas gagné ni légitimité ni crédibilité pour le faire. Il faut chercher d'autres personnes pour être crédibles. Pour ça, selon moi. Mais écoutez, moi j'aime bien André Michel, pour faux politique ligué, mais André Michel fait mettre tête en série de bagailles déjà. Ou pas qu'à balcon d'un dialogue qu'on y a. Bon, c'était l'ennemi du dialogue qu'on y a sur le bal pour ton dialogue. Qu'est-ce qu'on va faire confiance là? Et c'est un type qui a été toujours arrogant envers les opposants politiques qui en face. C'est toujours arrogant. Qu'on y a le bon retour de bâton sur lui. Il va parler avec elle. Quelque part, c'est ça. C'est conséquence, inconséquence politique, non calcul politique. Trop fougue fait que parfois, on met tête dans une situation, on y a la personne dans le haut ou son pestiféré. Mais il n'y a pas que André Michel aussi. Non, mais il est en commission. Hein. Oui. Et c'est lui qui est le plus présent médiatiquement. Comme moi, c'est le capitaine, le dialogue, etc., etc. Donc, moi, je dis comme ça, je dis ouvertement. C'est cela décroche ça que la commission est? Non, la commission a besoin de monde qui est capable d'être autorité, morale, bon passif, qui n'est pas négatif, qui est capable d'inviter le monde et le monde à chiter à attendre.